Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est un épisode un peu particulier puisque c'est un épisode hors série, tricot, où je vais vous présenter mes envies d'automne. Avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier énormément pour tous vos commentaires, pour tous vos pouces en l'air, pour tous vos likes, pour tout ce que vous me renvoyez. Parce que vous savez, quand on fait des vidéos, on parle à une caméra, hein, on a l'impression de parler à des copines, mais en fait on parle à un mur, quoi, pratiquement. Et ce qui est intéressant, c'est l'interaction que l'on peut avoir avec vous. Et donc, ça passe par vos commentaires. Et moi, je me régale, vraiment, je me régale à vous répondre. Je me régale à lire ce que vous me dites. Vous savez, je lis tout, hein, je ne réponds pas peut-être immédiatement, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et vraiment, je vous remercie. La chaîne va atteindre bientôt les 5000 abonnés, donc je suis ravie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un concours pour les 10 ans de mon blog et les 1 an de ma chaîne YouTube. C'est la vidéo précédente, vous pouvez aller la voir. Et j'ai pensé à mes amies tricoteuses, puisqu'il y a 2 lots, il y a 10 gagnantes, en fait, il y a 10 lots, 10 gagnantes, et il y a 2 lots... Il y a des patrons à gagner et de la laine. Donc si vous n'avez pas vu le concours, allez-y, et si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas. Alors pourquoi cet épisode hors série? Tout simplement parce que je vais aller au Knitit à Lyon le 22 septembre. Et pour ne pas me faire dépasser par tout ce que je vais voir, par toutes les beautés que je vais découvrir, j'ai voulu un peu canaliser mes envies. Et pour ça, je me suis fait des petites listes. Et j'ai pensé que ça pouvait peut-être vous intéresser et peut-être vous inspirer, puisque, je vous le rappelle, je suis débutante. J'ai débuté le tricot circulaire au mois de janvier. Donc voilà, je ne suis pas une tricoteuse aguerrie et je cherche des modèles simples. Déjà parce que j'aime les modèles simples, déjà par goût. Et puis parce que je ne suis pas capable de faire des choses très 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 compliquées. Donc voilà, j'ai voulu vraiment canaliser mon énergie créative, on va dire. Et puis surtout mon budget. Alors, pour le budget, je vous ai fait un article complet sur le blog. Je vais vous mettre le lien, vous pouvez vous y référer. Parce que j'économise depuis le mois de janvier pour ce salon, puisque pour moi ce sera une grande première. Je ne suis jamais allée dans ce salon, je ne connais pas, je vais découvrir, je suis vraiment emballée par ce que je vais découvrir. Il y aura du tricot, il y aura de la couture aussi, donc vraiment je sens que je vais m'éclater. Et je savais que j'allais être assez dispendieuse et donc que j'allais faire pas mal de folie. Donc j'ai fait des petites économies depuis le mois de janvier. Je vous explique tout dans l'article. Vous verrez, c'est très simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, j'ai des petites techniques pour mettre un petit peu d'argent de côté. Donc je suis partie avec un budget que je vais essayer de ne pas dépasser. Le but, c'est de ne pas le dépasser. Et surtout, voilà, je suis partie avec une liste de projets à faire. Bien évidemment, là je vais vous en présenter 14, en fait il y en a 15, mais je vous expliquerai pourquoi le 15e vous ne verrez pas. Donc je vais, bien évidemment, comme en plus je tricote pas vite, je ne vais pas faire pendant l'automne les 14 projets que je vais vous présenter. Mais c'est pour me donner des idées, et puis surtout pour quand je vais me retrouver sur les stands des teinturiers et des teinturières, voir un peu ce que je peux faire pour tel projet, avec quelle laine, etc. Voilà, et j'ai pensé que peut-être ça pouvait vous aussi vous donner des idées. Une fois que je serai revenue de ce salon, je vous ferai un petit retour, bien évidemment. Et je vous montrerai la laine que j'ai achetée. Et on verra si ça peut se rapprocher des projets que j'ai choisis aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça va vous inspirer. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Alors je me suis procuré un carnet, vous savez moi j'aime beaucoup faire des listes, j'aime beaucoup les carnets, j'aime beaucoup tout ce qui est papeterie, j'adore la papeterie. Et je me suis procuré un carnet que j'ai divisé en deux. Dans la première partie, vous avez mes projets en cours, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire. Donc le carnet n'est pas encore à jour, hein, complètement. Là vous avez, j'ai mis par exemple, c'est le gilet novice que je fais pour ma petite fille. Donc j'ai mis la laine, j'ai mis la taille des aiguilles, j'ai noté la date de départ et la date de fin, voilà, tout ça pour me donner des idées. Et puis, l'autre côté du livre, ce sont mes projets. Alors là, je me suis un petit peu amusée puisque j'ai découpé des petites photos
Voilà, pour un exemple, par exemple, où j'ai mis la taille du pull que je vais faire, le nombre de fils, le métrage de fils qu'il me faut, la taille des aiguilles, enfin voilà. C'est pas du tout académique, c'est pas du tout très très joli, c'est simplement un pense-bête pour moi. Alors, ça peut paraître un peu psychorigide de faire des listes tout le temps, de tout marquer, certes, mais c'est vraiment pour moi une ligne directrice, parce que... Évidemment, si par exemple une personne comme Émilie Louis, hein, que j'aime beaucoup ses patrons d'atelier Émilie, si Émilie sort un patron en octobre et qu'il n'était pas dans ma liste, bien évidemment, si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Si je ne fais pas les 14 projets, je ne vais pas faire une dépression, hein, c'est pas grave, je les ferai en hiver, je les ferai au printemps. C'est, voilà, c'est vraiment quelque chose déjà de ludique parce que ça me fait plaisir. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder des patrons, à regarder les correspondances de laine. Je pense que ça participe, cette partie-là du tricot, participe au plaisir de la création. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce cahier. C'est pour ça que je me suis fait des petits, que j'ai pris des petites photos. Voilà, pour vraiment pour me, c'est ludique et puis pour me faire plaisir. Et puis vraiment aussi dans un but d'économie, parce que, enfin d'économie. C'est pas d'économie, mais dans un but de non-craquage, on va dire. Parce que je me connais, hein, je sais comment je suis. Quand je vais voir toute cette laine, quand je vais voir toutes ces couleurs magnifiques, quand je vais toucher ces laines, je vais être tentée de tout acheter. Bon, déjà, j'ai pas les moyens. Et puis, voilà, il faut vraiment que je parte avec cet objectif, on va dire, 4 ou 5 ouvrages. Parce que, bon, tant à y être, ça évitera les frais de port plus tard. Hein, je préfère acheter la laine en avance. Mais vraiment, il faut que je reste dans mon objectif. Alors parmi les projets que je vais vous présenter, il y a également des projets pour Noël. Je me suis inspirée de la vidéo de Christelle d'Emaille et moi. Christelle a fait un petit carnet où elle note ses cadeaux de Noël, donc avec la pièce qu'elle va faire, la personne à qui c'est destiné et le temps qu'elle va mettre pour la faire. Et je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, elle va mettre une semaine pour faire une paire de chaussettes, donc elle a tout noté, de telle date à telle date je vais faire une paire de chaussettes, de telle date à telle date je vais faire un pull, etc. Donc moi j'ai fait pareil sur mon carnet. Sachant que, bon, moi je mets beaucoup plus d'une semaine pour faire une paire de chaussettes parce que je tricote pas vite. Mais voilà, ça m'aide aussi. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo de Christelle, allez la voir parce qu'elle donne de très bonnes idées. Elle vous montre exactement ce qu'elle a fait. C'est sympa, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je me suis inspirée de ça. Écoutez, on va commencer. Donc j'ai divisé cet épisode en 3. Les accessoires, les pulls et les gilets. Donc on commence par les accessoires. Le premier accessoire, c'est le châle saison de laine poudrée. C'est un patron gratuit. C'est un patron que j'ai depuis pas mal de temps dans ma bibliothèque sur mon ordinateur parce que j'avais envie de le faire. Elle le fait en 2 couleurs. Moi, j'ai envie de le faire en 3 couleurs. Tout simplement parce que j'ai vu passer des écheveaux avec des tonalités automnales qui sont splendides. Notamment, j'en ai vu chez Ars Natura, j'en ai vu chez Mouliette, j'en ai vu chez Au Fil d'Horus. Enfin voilà, j'ai quelques petites idées et j'aimerais beaucoup faire ce châle sur 3 couleurs. Donc c'est un patron gratuit, il n'est pas très très compliqué, je l'ai lu. Moi je vous rappelle, hein, je suis débutante, je tricote depuis le mois de janvier. Donc voilà, je pense que c'est un patron qui est tout à fait accessible aux débutants. En deuxième position dans les accessoires que j'ai envie de tricoter, il y a le béret de laine amourée, le béret Galilée. Alors, je ne sais pas si c'est quand vous verrez cette vidéo, mais non, je ne pense pas que ce soit... En ce moment, quand elle a sorti le châle Galilée, elle a offert une réduction. Moi, j'ai vu la réduction, j'avais acheté le patron la veille et le lendemain, elle a fait une réduction, bon, c'est pas bien grave. Le patron coûte 5,75€. C'est un béret qui se travaille en déca. Donc là, je pense qu'un demi-écheveau sera suffisant. Et j'ai vraiment envie de le faire parce que jusqu'à maintenant, j'ai tricoté des bonnets, notamment pour mes enfants. J'avais tricoté pas mal de bonnets, mais je n'ai jamais tricoté de béret et moi, j'en porte beaucoup l'hiver. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait envie et je pense que ce ne sera pas un projet très très long. Donc je pense que je vais pouvoir le caler entre 2 gros projets. Et dans la même veine, Pauline a sorti le châle Galilée. Donc là, je ne l'ai pas acheté, mais je vais me le procurer.
C'est le châle qui est assorti au pull, c'est toujours pareil. Donc je pense qu'avec un écheveau, je pourrais faire les deux. Alors ça, c'est voilà, ça fait partie des choses que je vais certainement leur demander, parce que je pense qu'en arrivant à Onitit, c'est le stand avec Wooliette, ce sont les deux stands vers lesquels je vais me tourner en priorité, parce que je rêve devant les laines du site Laine Amourée. Je trouve que les tons sont magnifiques. Notamment, elle a un ton caramel beurre salé qui me tente énormément. Donc, je vais aller les voir et je vais leur demander conseil pour ces deux ouvrages, donc le béret et le châle. Mais le châle est très très beau, et voilà, ça c'est vraiment des choses, je pense, qu'on peut faire assez rapidement. Alors, je m'avance peut-être, hein, puisque moi je vous l'ai dit, hein, je suis assez débutante et je ne tricote pas vite, mais je pense que je pourrais faire ça courant octobre entre deux gros gilets. Je pense que je pourrais glisser un petit accessoire. Alors, le quatrième patron en accessoire, c'est le chèche en bois de Noémie Gély. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. J'avais vu sur Instagram, donc c'est un patron qui coûte 6 euros. Noémie préconise c'est une taille unique, elle préconise de le tricoter en fingering ou en déca, et elle a fait ce patron, je crois, pour justement pouvoir avoir, quand on a un écheveau, vous savez, si on achète une quantité de pull et qu'il nous reste un écheveau, voilà, qu'on puisse se servir d'un écheveau un petit peu orphelin pour faire ce châle. Donc ce châle me plaît bien. Alors ce châle, par contre, je pense qu'il va rentrer dans mes projets de cadeau de Noël, ça sera pour une personne de ma famille ou pour une de mes filles. Mais c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire et je pense que c'est quand même assez accessible aux débutants. Alors le dernier accessoire que j'ai envie de tricoter, ce sont des chaussettes. Alors vous le savez peut-être si vous suivez mes podcasts, moi je ne suis pas très chaussette, j'en ai fait 3 paires. C'est pas quelque chose qui me passionne, du moins pour l'instant. Certainement qu'après, quand je saurai faire du jacquard, je pense que ça, j'y prendrai plus de plaisir. Mais pour l'instant, les chaussettes, c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. J'ai choisi les chaussettes Summersoft de Christelle William de la chaîne d'Emma et moi. Elle avait fait ça cet été en cale. Alors oui, ce sont des chaussettes estivales, mais bon, ça m'est égal, hein, c'est pas grave, ce sont des soquettes en fait. Mais bon, c'est pas important, parce que même si je les porterai en automne, puis je les porterai au printemps. Mais pourquoi j'ai voulu prendre ce patron, parce que elle est très pédagogue, elle fait des vidéos, il y a des vidéos pour toutes les... Il y a 4 vidéos, je crois, puisque je n'ai pas encore tout vu. Mais pour tous les problèmes techniques, elle vous explique tous les problèmes techniques en vidéo, elle le fait très très bien. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai choisi ce patron pour... et c'est un patron gratuit. J'ai choisi ce patron pour apprendre des choses, vous voyez, parce que par exemple le début de la chaussette, là j'ai un petit peu regardé, ce sont des espèces de petits ronds, des petites vagues, et elle explique vraiment très bien, ça je ne savais pas faire, donc voilà, ça permet de progresser, ça permet d'apprendre des points techniques, donc ça je trouve ça très intéressant. Alors si ça vous intéresse, c'est sur son Ravelry, de toute façon je vous mettrai les liens, et allez voir ces sockets, vous allez voir, il y a 4 vidéos, et il y a le patron gratuit, plus il y a des vidéos où elle explique vraiment en pas à pas tout ce qu'il faut faire. J'ai déjà acheté la laine, j'ai pris du fil Colana en 2 coloris, un saumon et un blanc, pour faire à peu près la même chaussette que Christelle. Alors le premier pull que j'ai envie de tricoter, c'est un pull que je vais réserver à ma petite fille qui a 3 ans, mais qu'on habille en 6 ans. Je vais me pencher sur le pull Molly de Lolita, de Loli la Fée, parce que j'ai envie d'essayer le jacquard. Je n'ai jamais tricoté de jacquard et je vous avoue que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et ce patron est gratuit, il n'a pas l'air très très compliqué. En plus, quand on le fait en petit modèle, c'est plus simple, hein, c'est plus facile. Si on se trompe, on a moins de mailles à enlever. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de mes envies de pull. Elle préconise de le faire en fingering ou en déca, je verrai. Ça c'est pareil, quand je serai sur le salon, je pense que Lolita y sera, donc je lui poserai carrément la question, ou alors sinon je poserai la question en achetant de la laine. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus, pour un 6 ans, il ne faut pas une énorme quantité de laine. Mais j'ai vraiment très très envie de m'essayer au jacquard. Le second pull en projet, c'est le pull Saturne de Que font mes mains. J'aime beaucoup cette personne, hein, je vous en ai parlé dans mon dernier podcast, je vous disais que vraiment j'ai pratiquement regardé toutes ses vidéos en boucle, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait.
Et là, elle a créé un pull, donc ce qui s'appelle le pull Saturne, qui est un pull assez loose. Je ne pense pas qu'il soit très très difficile. J'ai acheté le patron, je l'ai lu, bon, je l'ai lu un petit peu en diagonale, hein, mais je pense que les petits effets de petites fleurs là, transparentes ou de dentelles sont quand même, sont des jetés. Bon, je pense que je serais capable de le faire en faisant un petit peu attention. J'aime beaucoup la forme de ce pull parce que je pense que c'est le genre de pull que l'on peut porter en automne et en hiver sur un jean et qui passe partout, quoi, qui ira très bien. Et pour ce pull, bon, elle le fait en jaune. Moi, je pense que je vais partir sur des tons peut-être de bleu marine, peut-être une laine un peu chinée. Je ne sais pas quoi que le chiner avec les petits trous-trous, c'est pas très joli. Voilà, je vais peut-être partir sur du bleu marine ou du rouge pour pouvoir le porter avec un jean parce que c'est la base de mes tenues en hiver. Alors ce pull, elle le préconise de le faire avec un seul fil de fingering. Le patron coûte 6,60 € et elle le travaille en aiguille 3,5. Donc ça risque d'être un petit peu long, mais bon après, voilà, c'est toujours un plaisir, même si c'est du 3,5, c'est un plaisir à faire. Donc ça, c'est vraiment un projet que je vais mettre en place rapidement. Parce que vous allez voir, dans les 14, il y en a que j'ai mis en projet, mais que je vais peut-être faire plus tard. Mais le pull Saturne, je compte bien le faire très très rapidement. Le troisième projet, c'est le pull chaton de Émilie Louis, hein, l'atelier Émilie. Alors ça, je reconnais que c'est quand même pour moi un petit challenge parce que tout le pull est avec une petite dentelle, avec des petites fleurs travaillées comme une dentelle. Donc c'est un pull qui va me demander énormément d'attention. Il va falloir que je sois vraiment très tranquille. Ça, je vais le réserver au mois d'hiver, quand j'aurai pas grand-chose à faire, quand tout le monde sera dans la semaine, quand j'aurai pas les enfants à la maison, etc. Parce que c'est un pull qui, je pense, en plus il y a des manches ballons, c'est un pull qui va me demander beaucoup d'attention, mais j'ai très envie de le faire. Émilie le travaille en déca, je n'ai jamais travaillé le déca, moi je fais toujours du fingering ou du mohair. Donc voilà, c'est aussi un challenge, ce pull, j'ai envie de le faire. Le patron coûte 8 € et il se travaille en aiguille 3,5 et 4. Elle le présente dans un beige un peu clair, je trouve que c'est très très joli. C'est un pull que je vais mettre en hiver, hein, puisque dans ma région il fait quand même relativement chaud, donc on n'a pas besoin de très 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 gros pulls. Je ne sais pas dans quelle couleur je vais le faire. Voilà, c'est le genre de pull, ça aussi, il faut pas prendre une laine chinée, parce que sinon on ne voit pas la beauté des petits dessins. Donc ça aussi, je ne sais pas, j'avais envie soit d'un rose pâle, soit d'un mauve, je vais voir. Là, c'est pareil, hein, je verrai sur place, j'amènerai toutes mes petites photos, ma petite liste de pulls et je verrai la laine que je vais acheter. Alors, le quatrième projet de pull, c'est le Paris-Brest de Loli la Fée. Alors, ce pull, j'ai eu une envie de le faire. D'abord, c'est une marinière, moi j'aime beaucoup les marinières. Et j'ai envie de le faire un peu différemment, c'est-à-dire de garder les rayures, mais de faire les rayures dans des tons différents d'automne. Donc, vous voyez comment elle a fait des rayures dégradées, c'est-à-dire on part d'une petite rayure et puis ça monte crescendo, après la rayure est de plus en plus large. Et moi j'ai envie de faire ce pull en grège comme il est, mais avec les rayures dans des tons d'automne, c'est-à-dire soit des ocres, des orangés, des bruns. Voilà, il faut que je trouve les harmonies de couleurs. Et j'ai très envie de faire ça. Alors comment j'ai eu cette idée? Parce que j'avais vu une vidéo de Que font mes mains. Elle faisait le pull d'une poule à petits pas. Avec justement des rayures de plusieurs couleurs. Alors je ne me souviens plus du nom, je vous le mettrai, hein. Je me souviens plus du nom de ce pull, mais pour moi, c'est un pull qui est trop difficile à faire, je pense, parce que il se tricote, d'après ce que j'ai compris, depuis le début des manches jusqu'au bout. Là, donc ça me paraît énorme. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'attaquer à ce pull-là. Mais j'ai trouvé que les coloris qu'elle avait choisis, d'ailleurs, ça tout vient de chez La Namourée. J'ai trouvé que les coloris qu'elle avait choisis étaient tellement beaux que je me suis dit, tiens, il faut que je me fasse quelque chose comme ça. Et en voyant le Paris-Brest, j'ai déjà le Paris-Brest dans mes archives, hein, puisque j'avais acheté le patron. J'ai pensé tout de suite à ça, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire des rayures différentes, de tonalités différentes. Donc là, le Paris-Brest, ça fait aussi partie des encours que je vais bientôt commencer, mais il faut quand même que je fasse attention parce que, comme je vous l'ai dit dans un podcast, moi, je ne suis pas faite pour trop d'encours parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais voilà, ça fait partie du plaisir. Je sais que je vais faire ce pull dans l'automne, dans l'hiver, et je vais pouvoir acquérir la laine pour le faire.
C'est un patron qui coûte 8,20 € et qui se tricote en 3 ou 3,5. Ça dépend de l'échantillon, elle le précise. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce patron, alors je ne sais pas si j'arriverai à le faire, mais dans ce patron, il y a deux possibilités. Soit vous faites le pull normal, soit vous rajoutez la petite dentelle qu'il y a au dos. Voilà, il y a les deux. Elle offre les deux façons de le faire, donc je trouve que c'est très bien. Donc je vais tester, je vais essayer la petite dentelle si j'y arrive. Et puis si j'y arrive pas, ben, c'est pas dramatique, je ferai le pull normal, tout simplement en jersey. Alors le dernier pull dans ma liste, le cinquième, je l'ai mis en dernier parce que c'est le Fairy Bouquet. J'adore ce pull, je trouve qu'il est merveilleux, mais le problème c'est que moi je ne tricote pas de patron en anglais. Alors je sais, c'est peut-être une erreur, j'ai peur, non pas que je ne comprenne pas l'anglais, je suis capable de le traduire, mais ce qui me fait peur c'est la manière dont c'est expliqué. Par exemple, en anglais, en français on dit monter 30 mailles, en anglais c'est 4,30, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui me rebutent un peu. Alors j'ai certainement tort, hein, puisque mes copines qui tricotent me disent que c'est beaucoup plus facile de tricoter en anglais qu'en français, je ne sais pas, pour l'instant. Voilà, en fait, j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort et pour l'instant, les patrons en anglais, je veux d'abord me faire la main vraiment sur tous les patrons français qui me plaisent pour m'attaquer aux patrons anglais. Mais ce Fairy Bouquet me plaît beaucoup et j'aimerais bien le faire. Alors, je sais que je pourrais m'aider de la chaîne La Maison Tricotée, puisque j'ai vu qu'elle faisait des pas à pas de ce pull. En vidéo, donc voilà, ça c'est aussi une idée, c'est un plan. Je pense que je ferai ça quand je me déciderai à le faire. Donc il est dans ma liste de projets, mais vraiment pas dans l'immédiat. Mais je le trouve magnifique, il est tout en mohair. Le patron est à 8 € et il est tricoté en 4,5. Alors nous passons au gilet, j'en ai sélectionné 4. Le premier c'est le Sunday Cardigan de Petite Knit. Alors pourquoi j'ai sélectionné celui-ci? Parce que c'est un gilet qui est assez épais et je n'en ai pas. Justement l'année dernière quand je ne tricotais pas, j'avais regardé un petit peu dans les boutiques en me disant tiens il faudrait que je m'achète ce genre de gilet. C'est un gilet sport qui est très facile à porter, qu'on peut mettre sur tous nos vêtements. Et c'est vraiment quelque chose qui manque à ma garde-robe, donc j'ai décidé celui-ci de le faire. Elle préconise du fil Colonna et du mohair de Knitting for Olive. Moi, j'ai envie de le faire un petit peu plus épais. Donc voilà, ça aussi, il faudra faire un échantillon et puis je verrai la laine. C'est un gilet qui doit monter assez vite puisqu'il se tricote en 6. Je pense qu'avec une laine un peu épaisse, ça peut être très sympa. Elle le présente en gris. Bon, moi, j'aime pas du tout le gris. C'est une couleur qui ne me va pas du tout, qui m'éteint complètement. Moi, j'essaierai de le faire soit dans des tons de marron foncé, marron glacé, ou alors carrément bleu marine parce que ça, c'est une couleur qui passe partout, ou alors rouge. Enfin, je verrai. Mais voilà, je le ferai pas gris, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est un pull qui est pas très difficile. Je n'ai pas acheté le patron, mais j'ai regardé un petit peu. Bon, ça a l'air accessible quand même aux personnes débutantes. Le second pull que j'ai envie de tricoter, c'est le gilet romance de Marie-Christine Lévesque. Alors, je le trouve très féminin. Elle dit que c'est le gilet parfait. C'est vrai, elle a raison. Je le trouve très joli avec ses petites manches bouffantes, la petite dentelle qui est sur la boutonnière. Alors la petite dentelle est faite au crochet. Voilà, ça risque d'être une difficulté pour moi parce que au crochet, je suis pas du tout. Je sais pas du tout crocheter. À part faire des brides et des demi-brides, c'est tout ce que je sais faire au crochet. Donc voilà, ça va être un challenge. Mais ce pull, j'ai vraiment envie de le faire parce que je le trouve très très joli. Il coûte 6,50 €. Il se travaille en 4, 3,5, 4. Je pense pas qu'il soit très difficile, à part cette bordure au crochet. Je n'ai jamais tricoté de patron de Marie-Christine Lévesque, donc ça sera l'occasion de le faire. Et elle le préconise de le faire en fingering et mohair. Je pense que ça m'ira tout à fait. J'aime bien ce mélange des deux fils. Et là, c'est pareil pour la couleur, je ne sais pas encore, je verrai ça au gré de mon imagination quand j'irai à Lyon. Donc ce pull, je pense que si vous êtes débutante, voilà, c'est peut-être pas le premier à faire. Le premier à faire pour les débutants, et je pense qu'il faut aller sur le rosa de Longue avec Anna, parce que moi je l'ai fait, il est très 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 simple à faire, très facile. Mais celui-ci, si vous avez déjà fait un ou deux pulls, je pense que vous pouvez très bien, comme moi, vous en sortir. Alors, le troisième pull et avant-dernier que je voudrais faire, c'est le camé. Alors le camé, je l'ai déjà réalisé pour moi. Je suis en train d'en faire un pour ma fille. Le mien, j'avais fait une petite erreur, je l'ai fait un peu trop grand, donc j'ai envie de m'en refaire un. J'ai vraiment une passion pour ce gilet, je l'adore, j'aime beaucoup, je le trouve magnifique.
Donc là, je le fais en double fil de mohair. Alors, je ne sais pas encore si j'achèterai le mohair à Lyon ou si je le prendrai chez Calidou. Je verrai, parce que ça sera aussi une question de budget. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait le mien dans un mohair de Knitting for Olive rose saumon. Il est vraiment très, très, très beau. Celui de ma fille, je le fais dans une laine de Sabine de Ars Natura. Un bleu canard, il est vraiment aussi très beau. Donc voilà, là j'ai envie aussi de me faire un camé. Bon, et comme je vous ai dit, c'est pas une priorité, mais ça fait partie de ma liste d'envie. Donc le camé, le patron est au prix de 8 € et on le tricote en 4 en double fil de mohair. Alors le dernier gilet qui me tente énormément, c'est le Gioia de Sandrine C. Je le trouve superbe, splendide. Enfin voilà, je suis dithyrambique sur ce pull, je l'adore, mais la difficulté, c'est la dentelle devant et j'ai peur de ne pas être capable de le faire. Donc je ne sais pas, je n'ai pas acheté le patron, je l'ai mis dans ma liste, mais j'attends parce que je me dis est-ce que je serai capable de faire ça, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un pull qui est magnifique. Alors elle le fait en fingering et mohair. Moi je pense que c'est un pull qu'on peut faire carrément en double fil de mohair, il doit être très très beau. Donc d'où en plus une difficulté, parce que le double fil de mohair, quand on se trompe, c'est pas évident à reprendre. Mais c'est un pull qui est magnifique. Le patron est à 7,20 €, elle le tricote avec des aiguilles numéro 4, bon toujours, après c'est en fonction de l'échantillon. Et il est présenté sur Ravelry en blanc, moi je le trouve très très beau en blanc. J'ai vu que Stéphanie de la chaîne Stéphanie Made l'avait fait dans un coloris saumon je crois. Il est aussi très très beau, enfin voilà, bon, ce pull, ce gilet pour moi c'est vraiment un de ceux que je préfère. Mais est-ce que je serai capable de passer outre la difficulté de la dentelle devant, ça je ne sais pas. Donc c'est un projet, mais à plus long terme que les projets que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors le dernier projet, celui-là je ne vais pas vous en parler puisque c'est un projet secret, enfin entre guillemets. Je fais un pull d'automne avec mon amie Stéphanie de la chaîne Je Cultive la Joie. Je pense que vous la connaissez puisque je vous en ai souvent parlé. Avec Stéphanie, nous tricotons ensemble, nous habitons dans la même région, nous tricotons ensemble, nous parlons beaucoup de tricot. Stéphanie a commencé le tricot en même temps que moi. Et elle est complètement dingue de tricot. Elle fait du jacquard alors que moi, j'en fais pas encore. Voilà, elle est passionnée. Nous parlons énormément de tricot. Nous faisons des sorties tricot toutes les deux, notamment comme celle-ci là au bord d'une petite rivière, c'était très agréable. Et avec Stéphanie, nous avons décidé de faire un pull d'automne toutes les deux. Donc je ne vous parle pas de ce pull tout simplement parce que la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo à quatre mains. Je fais une vidéo avec Stéphanie et à ce moment-là, on vous présentera notre pull d'automne. Donc vous voyez, ça fait un 15e ouvrage, donc je vais avoir quand même un automne bien 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 occupé et j'ai intérêt à mettre un pull turbo pour tricoter. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'ouvrages, parce que comme je vous l'ai dit au début, hein, j'ai l'air un peu psychorigide avec mes listes, mais je suis ouverte à toute proposition. Si vous avez des ouvrages que vous avez faits qui vous semblent pas trop trop difficiles pour quelqu'un comme moi qui débute, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me le dire. Vous savez que j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. C'est super gentil. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je serai en compagnie de Stéphanie pour mon 8e podcast créatif. J'espère aussi qu'il vous plaira. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.